à tous et à toutes, très contente aujourd'hui de vous retrouver pour un nouveau tutoriel. On y va? Pour créer cette sortie de bain, très facile. La bande froncée tout autour vous donnera une belle finition et rajoutera légèrement de la longueur à votre serviette. Doublez au niveau de l'élastique avec du tissu pour éviter de l'épaisseur. Et le velcro facilitera l'ouverture et fermeture. Pour la réalisation de ce projet, c'est très simple. Il vous faudra une grande serviette, des bandes de tissu et un élastique large. Avant de commencer, repérez l'endroit de l'envers. J'ai repéré mon envers avec la croix coupée tout autour de la serviette afin d'enlever cette partie qui est épaisse. Vous coupez sur la largeur et sur la longueur. Pliez la serviette endroit sur endroit. Ici, ça va représenter le haut. Épinglez tout le long. Vous avez donc votre pliure ici et l'ouverture là. En bas de la serviette, de là à là, vous allez mesurer 14 cm. Marquez. Vous faites la même chose encore de ce point vers l'intérieur, 14 cm. Et vous allez joindre ce point à ce point en arrondissant. Épinglez et coupez. Prenez un élastique large, 3 cm. Mesurez le tour de votre buste en serrant légèrement et coupez votre longueur. 7 cm de largeur et la longueur doit correspondre à la longueur de votre serviette. La bande sur un côté, un petit ourlet et piquez sur toute la longueur. L'endroit de la serviette sur l'endroit de la bande que vous venez de faire. Épinglez tout le long. Bien sûr, le petit ourlet il est en bas. Piquez point d'arrêt début et fin. Pliez la bande sur l'envers et surpiquez. Surpiquez la valeur du pied presseur. Finalisez la pose de la bande par une piqûre nervure et laissez ouvert les extrémités. Introduire l'élastique, épingler l'extrémité pour plus de sécurité et finaliser le passage de l'élastique. Vérifiez bien si votre élastique est bien à plat et piquez les deux extrémités. N'hésitez pas à faire plusieurs allers-retours. Coupez plusieurs bandes de 12 cm de largeur. Piquez et surfilez. La longueur de la bande doit correspondre à la mesure que vous allez obtenir tout autour multipliée par 2. Cette bande qui va être posée tout autour grâce à des petits plis. Mais auparavant, sur toute une longueur, faire un ourlet et piquer nervure. Aux extrémités de la bande, à 16 cm, tracez de ce point à la pointe par un léger arrondi et coupez. Mettre la bande l'une sur l'autre et reporter la même coupe. Pliez la bande en deux et encore en deux et repérez les milieux par de la craie. Faites la même chose avec la serviette, le milieu. Et divisez cette partie en deux, l'endroit sur l'endroit, épinglez le 1/4 de la bande sur le 1/4 de la serviette, le milieu avec le milieu. Vous faites la même chose pour l'autre moitié. Commencez bien en mettant la pointe avec le début de la serviette et vous n'aurez plus qu'à faire des petits plis tout en piquant. Et vous allez procéder de cette façon, du début jusqu'à la fin. Piquez en formant des petits plis de 5 mm. Passez un point de zigzag ou surfilez. Repassez. D'une façon à écraser les plis, faites une surpiqûre de 3 à 4 mm
Assurez-vous que cette couture est bien à plat, les plis bien positionnés et surpiqués. Et voilà, vous allez obtenir ce résultat. Coupez un morceau de velcro, 10 cm de longueur, un morceau que vous poserez sur l'envers et l'autre morceau sur l'endroit. Pour coudre le velcro, posez et tirez bien sur l'élastique et piquez tout autour. Des petits plis bien réguliers avec une belle finition par la surpiqûre feront toute la différence. Voilà, alors en attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas au passage un petit like, un commentaire et surtout abonnez-vous!